Et salut tout le monde, c'est MathisCrafter06, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de Mathis l'agriculteur, donc j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super bien, je suis hyper motivé pour tourner cette série, donc là je tourne ça juste à la suite de l'épisode dernier, donc j'aurai pas vos retours. En tout cas je l'ai oublié de le dire au dernier épisode, mais j'ai vu que l'épisode 4 vous avait bien plu, je sais plus ce que j'ai fait dedans, mais c'est pas grave. Et que entre l'épisode 3 et l'épisode 4, il y a eu pas mal de temps pour ressortir. Et j'ai vu que il y a certaines personnes qui l'attendaient, donc ça m'a fait plaisir que cette petite série solo vous plaise. Donc voilà, aujourd'hui on va continuer. Alors on va rentrer dans. Je peux pas ouvrir, d'accord. Dans cet hélico. Je peux pas ouvrir ça, attendez. Faut quand même regarder au cas où il n'y ait pas des trucs dedans. Non, il n'y avait rien. C'est pas grave, on a encore des patates. Ça nous fait un stack de patates. Waouh. Je dis waouh, ce levier est trop waouh. J'ai arrêté de dire waouh. Maintenant faut qu'on sorte, ok, donc il veut pas grand chose finalement dans cet hélico. Mais il est stylé. J'en ai déjà construit des hélicos. Ils étaient mieux, mais en même temps ils étaient plus grands. Il avait pas trop la place de faire un giga hélico ici. Mais il est pas mal quand même. Vraiment pas mal. Alors, et donc on va aller voir les dernières choses. Alors, le vieux sage. Oh, lui aussi, il a une épée en diams. On va lui prendre aussi, hein, écoutez. Nous, on se gêne pas, hein, deux épées en diams. On pourra peut-être la revendre à un mec, hein, parce que le diamant, quand même, est une ressource assez importante. Alors. La légende dit que les compartiments inondés se trouvent... Attendez, il faut qu'il arrête de répéter la même chose. Bienvenue dans une quête annexe. La légende dit que dans le compartiment inondé, what the fuck, il doit y avoir une salle inondée quelque part, se trouve le trésor du seigneur des quatre mers. Vieux sage, plusieurs aventuriers ont déjà tenté de le trouver, mais en vain. Es-tu un aventurier? Non, mais je tenterai ma chance. Ce trésor n'a aucune valeur monétaire, mais une grande valeur sentimentale pour moi. Ok, donc j'imagine qu'il faut aller le retrouver. C'est un trésor, donc il faut qu'on trouve un coffre renommé trésor. Donc, il faut qu'on trouve une salle inondée. Mais où est cette salle inondée? Telle est la question. Et pour l'instant, il n'y a pas. Je vois pas trop où elle peut être. Donc, on va la chercher. Ok, alors, guichet 1, guichet 2, guichet 3, guichet 4. Nous, on rentre là parce qu'on a des tags. Ok, donc on dirait que c'est des guichets. Je vends sûrement la meilleure patate de la région grâce à toi. Ok. Donc un stack de patates pour 10 crafts. On a un stack de patates, mais on va pas lui donner. Parce que sinon on pourra pas en planter, donc c'est un peu bête. Ok, on peut pas déjà ouvrir tous les coffres d'en haut. On va vérifier au cas où. Ok. Donc si on trouve quelques patates, non, on va les garder, ce sera mieux. On peut en vendre un stack, il nous en restera 16, mais... Faut mieux en avoir plein dès le départ pour toutes les planter. Ce sera mieux. Donc il faut qu'on trouve la salle inondée aujourd'hui. Ça va être notre objectif, mais j'ai vraiment aucune idée d'où elle peut être. Et vraiment aucune. Donc je sais pas comment je vais faire. J'en ai aucune idée en fait. Donc ouais. Donc ici on a tout fait. L'hélico, ce serait pas... Peut-être en dessous de l'hélico, mais... Ah, déjà, j'ai pas un casque à quoi Infinity, je peux rien voir. À quoi Infinity. Il a pas l'air d'y avoir de signe de ça, il y a un petit trou là-bas. Mais ça m'étonnerait que ce soit ça, de toute façon, si on y va, on se noiera. Ah, attendez. Ah, mais oui, ça doit sûrement être là-dedans. Ah bah, s'il est là, leur trésor, ok. Si c'est ça, un trésor, bah dis donc... Les aventuriers qui viennent dans ce monde ne sont pas très compétents. Par contre, on voit vraiment rien. Ben voilà. Le trésor. Easy. Trouver le trésor. Bah voilà. C'était très compliqué. Le mec cherche le trésor depuis 50 ans. Moi j'arrive. Je le trouve en 3 minutes. Exactement 4 minutes. Mais bon.
Enfin, 4 minutes. Là, ça doit faire 4 minutes 50 avec l'intro à peu près. Donc voilà. On a trouvé le trésor, c'est cool. Alors, hop, on va. Paul Poule. On l'a déjà acheté à lui. Les patates, on s'en fout aussi. On est full diams avec une épée en diams, tranquille. Voilà. Et on a le trésor. Merci. Merci. Ok, donc il nous a filé quoi? Non. Il nous a filé G-Craft. Bon. Et c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon. Du coup, on en a fini avec cet endroit. Du coup, je pense que là, l'aventure, clairement, elle est finie. Puisque bah, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Je pense. Donc, je vais vous faire une ellipse. Le temps que je rentre jusque chez moi et que je fasse l'élevage de poules. Et ensuite, on se retrouvera bah, une fois que tout ça est fait. Allez, à toutes. Ok, c'est bon, j'ai terminé. Donc, alors, il s'est passé pas mal de temps entre cette ellipse, puisque déjà, bah, j'ai éclairé tout ce champ, j'ai mis des patates dans la moitié du champ, des carottes sur l'autre moitié. Là, j'ai éclairé aussi, parce que j'ai vu que j'avais pas éclairé le champ de pastèques. J'ai encore reproduit l'élevage, j'en ai d'ailleurs buté pas mal. J'ai fait l'enclos des poulets. Et voilà, donc, il fallait que je check un truc. Il fallait que je check les objectifs, mais je crois qu'ils sont tous marqués là. Appuyer pour débuter. Non, j'ai déjà appuyé. Objectif, réparer le phare, c'est bon. Ah, les objectifs d'ici sont pas les mêmes que ceux qui étaient sur le forum de la map. On va faire les deux. Posséder 10 blocs d'émeraude craft stackés sur soi. Ok, donc ça on va pas le faire. Enfin, le truc c'est que je pense que il faut qu'on fasse cet objectif pour vraiment finir la map. Donc ouais bah je vais farmer, écoutez hein. Et sinon si je regarde, attendez, je vais regarder vite fait les objectifs. Sinon je crois qu'on a tout fait au niveau de ceux que j'avais marqué sur la vidéo, dans la description de la vidéo de Matisse l'agriculteur. Donc alors avoir 100 émeraudes, ça je l'avais. Acheter tous les champs, ça j'ai fait. Réparer le phare, j'ai fait. Posséder 4 animaux de chaque, c'est bon. Acheter les prêts pour construire son élevage de moutons, de cochons, de poulets, de vaches. C'est bon. Bah, tous les objectifs sont terminés. C'est cool. Donc vous savez quoi, je vais farmer pas mal. Et on se retrouvera une fois que j'aurai bah, 10 blocs d'émeraude. Donc on se retrouve, à mon avis, dans très longtemps. Et re tout le monde, on se retrouve. Alors finalement ça a pris moins de temps que ce que je pensais. Il me restait encore des trucs à vendre et j'avais finalement bah ça me suffit tout ça. Donc voilà. Alors, vous avez terminé tous les objectifs principaux. Ok, donc j'ai farmé encore tout ce temps juste pour avoir ce message. D'accord. Bon, bah du coup attendez. Bah là logiquement on a terminé la série, on a fait tout, on a fait tous les objectifs, donc pour moi c'est terminé. J'aimerais bien marquer le coup pour terminer. Je pense avoir fait toutes les quêtes annexes. Non, il y avait quelque chose que j'avais pas fait, que j'avais vu et que je savais pas. Je savais pas ce qu'il fallait faire, je l'avais aperçu et ça m'a pas frappé. À mon avis, c'est peut-être important. Donc, à mon avis, si jamais j'ai pas le temps, parce que attendez, là déjà, on a. Ok, on a à peu près 8-9 minutes, je pense plutôt 9 minutes d'épisode. Donc, je vais peut-être finir cet épisode peut-être au prochain, je sais pas, mais j'avais vu quelque chose. Je sais plus trop vers où, mais j'avais vu quelque chose. C'était une genre de mine. C'était par là-bas. Ouais.
C'était là-bas. Faudra que je vérifie aussi pendant une ellipse si j'ai bien fait toutes les quêtes annexes. Et si jamais je fais... Si jamais je j'ai pas fini dans cet épisode, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'en ai pas oublié, ça pourra m'aider. Donc déjà on a un minecart coffre ici de la TNT, dont j'ai... Hop, un casque obligatoire, des wagonnets à entonnoir. Et une mine dangereuse. Ok, le casque obligatoire, on s'en fout, on a déjà un casque en diam, c'est un peu plus résistant. Bienvenue dans une quête annexe, voilà, on n'avait pas fini. Mineur, bonjour, nous recherchons de la main d'œuvre pour faire exploser un peu de roche. Ça vous intéresse? Si ça vous intéresse, faites exploser la roche au bout de la mine. N'oubliez pas de mettre votre casque, t'inquiète. Bon, on va le mettre au cas où c'est important. Faut qu'on fasse exploser au bout de la mine. On va prendre ça. Hop. Des wagonnets à entonnoir. Mais à quoi ça sert? Je vous le demande. Des wagonnets à entonnoir. Alors, port du casque obligatoire, chute de pierre. Ok, là-dedans, il n'y a rien. Ici, qu'est-ce que c'est? Attention, matériel explosif. Ok. C'est un minecart TNT. On va pas le faire exploser maintenant. On va juste voir à quoi ressemble la fin de la mine. Ok, d'accord. Je crois qu'un minecart à TNT est beaucoup plus puissant qu'une TNT normale, mais je suis pas sûr. Vas-y, Jean-Mi. Allez. Alors, est-ce que c'est beaucoup plus puissant? Non, peut-être pas. Waouh, on a découvert une mine à charbon. Trop bien. Trop bien, trop bien. Bah, ah, attendez. Ah. Non. Cette terre, ça va exploser. J'ai entendu un bruit de TNT. Ok. D'accord, c'est pas la peine de remettre le message, j'ai compris. Bon, c'était un coffre piégé, on l'avait entendu le bruit de la TNT. En plus, il nous avait prévenu le mec. Donc, regardez. Bah, du coup, je pense que c'est fini, hein. Vu qu'on a eu nos émeraudes. Attention, toute cette terre. Attention, toute cette terre. Pardon. Excusez-moi. Bon, j'ai 9 TNT, à mon avis il fallait pas les prendre, mais bon, je les ai prises. Attendez, j'ai envie de faire un truc. C'est reparti. On va refaire exploser. Je sais pas si ça va marcher, parce que ça a fait péter le rail à mon avis. Non, ça va marcher. Mais alors à quoi ils servaient les minecarts en tonneau noir, ça j'en sais rien. Oh mais c'est quoi ça? Mais quel est ce bloc? Ça devait être de netherrack. Bon voilà. Hop, ça c'est fait. Vous savez quoi, vous savez quoi, je vais aller chercher si il nous reste pas des quêtes annexes. Donc, on se retrouve, si jamais j'en ai trouvé, bah, si jamais j'en ai pas trouvé, sûrement pour la fin. Donc, on se retrouve plus tard. Et re tout le monde, on se retrouve. Donc, pas mal de temps plus tard, j'ai exploré littéralement tout. Et j'ai rien trouvé d'autre, donc j'ai pas trouvé de quêtes annexes. On les avait finalement toutes faites. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode, ce sera pas le dernier puisque j'ai eu une idée. Bah, j'espère qu'elle vous plaira, ce sera peut-être le dernier, c'est tout à fait possible. Mais j'ai une idée, je veux juste savoir ce que vous en pensez. Alors donc on a plus de quête annexe, on a fait littéralement tout ce qu'on avait à faire. Et moi je voulais terminer quand même pas comme ça, je voulais faire quelque chose de spécial, donc dans les commentaires. Dites-moi, si jamais vous ne voulez pas que je... Enfin, dites-moi ce que vous aimeriez, ce que vous aimeriez que je fasse dans le prochain épisode pour clôturer cette série. J'essaierai de chercher par moi-même. Après, je sais qu'il n'y a pas forcément énormément de gens qui regardent Mathis l'agriculteur, donc si j'ai pas de proposition bien, bah, j'essaierai de voir pour faire quelque chose. Ou alors j'arrêterai cette série maintenant. Donc je sais pas, en tout cas n'hésitez vraiment pas à me proposer vos idées de ce que vous aimeriez que je fasse au prochain épisode. Donc je sais pas, par exemple, construire une maison pour je sais pas quoi, faire la maison des abonnés, enfin, je sais pas du tout ce que je dis, mais faire quelque chose d'assez spécial qui pourrait clôturer cette série. Qui m'aura bien plu, qui aura duré du coup bah, normalement cet épisode avec le prochain. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. En tout cas, moi je vais vous laisser.
Donc si la série s'arrête là, bah j'espère que cette série vous aura plu. Moi je me serais énormément éclaté à la tournée. Donc j'espère que cette série vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire, à partager la vidéo avec vos amis. Et surtout à vous abonner, ça me fera super plaisir. En tout cas, moi j'aurais vraiment bien kiffé cette série. Donc on se retrouvera peut-être pour le prochain épisode. Sinon, bah portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.